Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre vidéo rétrospective consacrée au magazine officiel LEGO Legends of Shima, qui a paru donc du mois de décembre 2013 au mois de décembre 2015, qui contient en tout 22 numéros. Et donc souvenez-vous, dans la première partie, eh bien, on a vu ensemble les numéros 1 à 11, et donc dans cette seconde partie, on va voir les numéros 12 à 22 justement. Donc là encore, pour chaque numéro, on verra la petite surprise qui a été inclue, on verra aussi rapidement l'histoire qui était dans avec la bande dessinée incroyable, comme c'est marqué ici, voilà, ainsi que d'autres petites choses comme les extras. En fin de vidéo aussi, on repassera ensemble les 22 couvertures des numéros afin de voir un peu ce qui s'est fait, quels personnages sont revenus le plus souvent, voilà. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Donc, avant de commencer avec le numéro 12, là encore, on va passer en revue rapidement les 11 petites surprises qu'on reverra après de façon plus précise. Mais juste comme ça, ça va me permettre effectivement de vous montrer les différents sachets qui sont, ma foi, assez jolis. Donc, effectivement, le premier, c'est Psycor. Alors, laissez-moi juste le temps. Voilà, alors un focus bien comme il faut. Donc, Psycor. Après, on aura le canon de glace, qui, comme on peut voir, dans un packaging assez gros, un gros sachet, cette fois-ci. Worries. Gorzan. La baliste de glace. Lindor. Le stand pour les armes de glace, mais aussi de feu. Encore dans un de ces gros sachets. Ice Claw. La catapulte de feu. Et enfin, Stealthor. Suivi de Bulkar. Ou Bulkar. Ça dépend comment vous donnez votre accentuation. Voilà. Et donc, on va commencer avec le numéro 12. Et comme vous avez pu le voir, la surprise, eh bien, il s'agit du tigre à dents de sabre Psycor. Que voici, laissez-moi juste bien sûr là encore ajuster un peu la caméra afin qu'on soit vraiment au centre de l'action, entre guillemets, alors oui bien sûr si elle veut bien tenir. Donc voilà, et je pense qu'en termes de focus, on n'est pas trop mal. Là j'ai un peu de mal à voir, je vous avoue, parce qu'en plus on a une sorte de grosse. On a une grosse lumière naturelle en plus hein, pour une fois. Bref. Alors attendez, juste deux secondes, je veux quand même faire les choses bien. Faut que j'arrive juste à choper le curseur. Voilà, on va y arriver. Donc effectivement, Psycor, que voici, que voilà. Donc Psycor, qui était une figurine qui est sortie dans des modèles, ma foi, assez peu courants au début, car en effet, était uniquement disponible d'abord dans le Ice Cruiser, qui était en fait eh bien, un modèle promotionnel, avec Psycor dedans, donc un polybag. Puis ensuite, un pack de figurines, là encore assez rare à trouver, car souvent exclusif à la boutique en ligne officielle de LEGO ou au magasin LEGO. Et enfin, après, est apparu pour la troisième fois dans le Tormach Shadow Blazer, qui là est effectivement peut-être une vraie boîte de jeu plus facile à trouver. Donc Psycor, en fait, qui est vraiment une sorte de petit chien, hein, qui est un peu vraiment, je pense, le plus sauvage des tigres à dents de sabre. Et donc c'est quand même plutôt cool de l'avoir, parce que même s'il est disponible dans le Tormach Shadow Blazer, il reste tout de même, je trouve, assez peu commun, assez rare, voilà, en termes de façon de le choper. A noter aussi qu'en termes de bonus dans la Shimapédia, eh bien ce mois-ci c'était les mammouths qui étaient mis à l'honneur, voilà. Et puis pour ce qui est de l'histoire, eh bien, alors laissez-moi vous lire tout ça. Donc Laval va à la course de Speeders, mais il apprend effectivement en arrivant que cette dernière est annulée à cause du gel. Donc il décide d'en improviser une en mettant en jeu son chi de feu. Donc pendant la course, les participants, donc à savoir Krager, Gorzan et Worries, se font attaquer par Psycor et Strainor, voilà. Puis après, quand Laval s'en rend compte, Psycor lui lance un duel. Et donc ce dernier forcément accepte. Puis après, le problème c'est que le duel, si vous voulez, se fait sur la glace. Donc forcément, elle est fragile et elle finit par se casser et entraîner Laval sur un petit bout de glace et bien vers une chute d'eau car effectivement la glace était faite entre guillemets près de là où il y a une cascade, si vous voulez. Donc forcément, il court à sa perte et là encore, vous savez qui arrive pour le sauver d'un mauvais pas. Et bien oui, c'est Eris hein, parce que chaque fois que Laval tombe dans un trou et ça arrive plus souvent que ce qu'on pourrait penser, et bien il y a souvent Eris qui vient le rattraper. Je crois que c'est la troisième fois que ça arrive, hein, voilà. C'est la troisième fois que ça arrive avec Eris. Il y avait une autre fois que ça arrivait avec aussi Krager. Donc bon. Et donc voilà, et après effectivement, Laval, à la fin de la bande dessinée, comprend la valeur du chi de feu. Oh, voilà, c'est bien, il y a une petite morale. Donc, tout rentre dans l'ordre. Donc voilà, pour la petite BD, donc, qui forcément, là encore, je vous rappelle, hein, les bandes dessinées mettent souvent en avant les cadeaux qu'on a eus dans le magazine. Donc là, effectivement, on a Psycor et Psycor qui fait un duel avec Laval, ce qui est plutôt cool, parce qu'effectivement, si vous aviez Laval en figurine, vous pouviez recréer un peu ce duel.
Voilà. Donc ça, c'était pour le numéro 12. On enchaîne maintenant avec le numéro 13. Donc effectivement, comme vous avez pu le voir, on aura aussi bien des figurines que des structures, tout du moins des petites constructions à faire, voilà, en termes de surprise. Et donc là, on aura un canon de glace, qui est, ma foi, plutôt cool, je trouve. Là encore, car il permet un peu de diversifier l'armement des tigres à dents de sabre, et aussi parce que c'est une belle pièce, entre guillemets, enfin une belle pièce, ou non, je trouve qu'il fonctionne bien. Et il peut donc vraiment lancer hein, ces parties-là ici. Donc, là, je le fais très mal, mais forcément, hein, il faut donner une impulsion sec, et puis ça fonctionne. Et bien évidemment, vous pouvez le lever ou le baisser avec les petites poignées qui vont bien. Donc en fait, si vous aviez par exemple ça et corps le mois d'avant, et bien vous pouvez le mettre ici pour la surprise. Donc voilà pour notre canon à glace. Et à noter que maintenant, effectivement, ça change, car la Chimapédia, ils ont un peu fait le tour donc de tous les descriptifs des différentes tribus, des différents personnages. Et donc, en fait, maintenant, on passe au guide des épisodes. Et donc, pour cette première fois, eh bien, on avait les épisodes 1 à 6. Voilà. Donc, qui étaient résumés très brièvement en 4 lignes. Hein, voilà. Et donc, ça, vous allez voir, ça va revenir dans les numéros suivants. Et donc, en attendant, quelle était effectivement la petite bande dessinée dans ce numéro 13, eh bien, ça c'est simple, laissez-moi juste, voilà. Donc, alors, d'après ce que j'ai écrit, Laval et Krager vont recevoir leur shitfeu, effectivement, enfin, parce qu'ils sont beaucoup entraînés auprès des Phénix pour enfin montrer leur valeur et qu'ils étaient dignes d'avoir du shitfeu. Et comme vous avez pu le voir à de nombreuses reprises dans les bandes dessinées, ils ont quand même montré qu'ils étaient un peu impatients et qu'ils faisaient souvent un peu n'importe quoi avec. Donc, bref, ils apprennent que le Temple des Lions est attaqué. Donc, ils y vont et ils voient qu'il y a un mur de glace qui est tout autour qui encercle le château des Lions. Et donc, ils se rendent compte qu'effectivement, les lions, face à cet encerclement, eh bien, commencent un peu à déposer les armes et à perdre confiance. Donc, Laval et Krager, dans leur véhicule, se font repérer et tirer dessus. Ils chutent dans la barricade. Ou alors, par contre, leur véhicule. Ah oui, je pense qu'effectivement, ouais. Il me semble que Laval et Krager, ils retrouvent leur véhicule qui était effectivement le tank lion de feu, effectivement, et l'autre véhicule de Krager. Ok, d'accord. Donc, oui, et ils foncent dans la barricade. Et après, une fois passés au-dessus de la barricade, ils vont par la Gravis qui les renvoie vers un passage secret pour sortir. Ah, mais non, alors c'est différent. Qu'est-ce que je raconte? Bah écoute, et visiblement, ils sont des véhicules et ils sont attaqués. Mais je vois pas dans quel véhicule ils auraient pu être en fait. Bref, donc oui, ils sortent effectivement. Donc voilà, ils arrivent à rentrer dans la barricade, ils parlent à la Gravis, ensuite ils prennent un passage secret pour ressortir du temple et donc revenir à l'extérieur. Là, effectivement, c'est là où ils trouvent leur véhicule sous la neige, mais ils se font capturer par Saekor, donc là encore Saekor qui revient, et mettent dans un trou. Liella qui passait par là vient leur rescousse, leur donne du shitfeu, ce qui permet ainsi de les transformer, eux et leur véhicule surtout. Donc souvenez-vous, hein, je vous rappelle que la plupart des véhicules de feu dans Shima avaient en fait deux modes, un mode normal et un mode enflammé un peu plus bondissant. Donc là, c'est ce qui arrive effectivement quand ils mettent du shitfeu dessus. Voilà. Et donc après, ils font fondre la barricade grâce à leur véhicule et ils peuvent ainsi sauver le temple des lions. Voilà. Donc je m'excuse, c'était un peu confus à propos des véhicules là. Je sais pas trop de quoi je parle au début, mais bon. Bref, en tout cas, voilà. C'est tout ça. C'est tout simple. Le temple des lions. Souvent, effectivement, là encore, on se rend compte qu'il y a pas mal de. Alors excusez-moi, ça commence peut-être à avoir des petits. Ouais, des. Je pense qu'honnêtement, avec la lumière naturelle qu'on a là, qui est très éclairée. On restait dans des gros problèmes de bande comme ça. Ça m'a l'air ok là. Non, effectivement, c'est plus ok. Bref, c'est pas trop grave pour l'instant, mais regarde dans la caméra. Donc même si ça fait ça, c'est pas un souci. Ce sera juste un peu embêtant pour vos petits yeux. Vous m'en excuserez. Donc oui, Temple Lion assiégé, ça revient souvent aussi dans cette vague feu contre glace. On passe maintenant au numéro 14. Et donc dans le numéro 14, eh bien, on va avoir Waris. Waris, effectivement, qui est une figurine qu'on avait déjà pu avoir auparavant, mais souvenez-vous qu'il était en version normale et non pas en version de feu. Et à noter aussi que Waris est la seule figurine, vraiment le seul personnage qu'on retrouvera deux fois en surprise. Voilà. Tous les autres à chaque fois seront différents, mais là Waris, effectivement, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Donc voilà, sa tenue de feu de base, sans armure ni rien. Par contre, il a un chouette pistolet de feu, je trouve. Alors encore, hein, souvent les armes sont différentes de celles qu'on peut avoir dans les modèles, et pourtant Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'armes dans les speeders, dans les boîtes de jeu, mais elles restent encore différentes, donc c'est assez cool là encore pour diversifier l'équipement des différents personnages. Donc ça c'est Waris. Alors par contre, là je crois qu'on est en zoom un peu extrême. Voilà. Et donc avec Waris, alors Waris effectivement là aussi dans quel modèle il venait, alors lui c'est un peu plus commun.
Il était dans la Firebike, qui est un modèle promotionnel, donc là encore peut-être un peu plus dur à trouver. La Scorching Blades, qui est effectivement son modèle Speed Horse. Un pack de figurines, là aussi rare à trouver. Le robot mammouth à quatre pattes, ainsi que la forteresse de Fangar et le Strainer Saber Cycle, qui est effectivement le modèle entrée de gamme de la première vague 2015. Souvenez-vous, dans lequel il venait avec ses ailes de feu. Voilà. Mais après, effectivement, hormis les ailes de feu, il avait le même imprimé à ce niveau. Voilà. Et enfin, ensuite, en guise d'extra, le guide des épisodes continue avec les épisodes 7 à 12. Pour ce qui est de l'histoire, et bien justement, Warriz vient de passer les épreuves de Flimnox avec succès, donc il a aussi le droit d'avoir du shitfeu. Et donc avec ce dernier, il compte lancer une attaque préventive contre les chasseurs de glace. Voilà. Même si la Vallée Krager tente de le raisonner en lui disant qu'effectivement, attaquer seul avec sa tribu, les chasseurs de glace, c'est plutôt une mauvaise idée. Mais bon, là, forcément, Warriz ne veut rien entendre et dit qu'il va utiliser les autres loups avec lui pour passer à l'attaque. Et donc, justement, les envoie à l'attaque. Seul problème, c'est que Sir Fangar a un petit atout dans son sac. Il fait une sorte de. Il utilise un cristal, si vous voulez, pour refléter la lune, un truc comme ça, pour refléter la lumière sur la lune. Et donc, ça fait qu'il crée une lune de 1000 ans artificielle. Est-ce que c'est ça au moins? Ouais, non. Une lune de 100 ans artificielle. Alors, pour ceux qui ne s'en souviendraient plus, en fait, dans la série, la lune de 100 ans, c'est une lune qui provoque, entre guillemets, la folie chez les loups, dans lequel, eh bien, ça fait ressortir leur instinct vraiment animal. Donc là, elle se comporte plutôt de façon civilisée, et ça devient vraiment juste des loups, des animaux de base, quoi. Hein, voilà. Et donc, forcément, en créant une lune artificielle, eh bien, il transforme les loups en des créatures totalement sauvages. Donc, Warriz, forcément, comme il est encore un peu. Il est comme les sauvages, eh bien, il poursuit Laval et Krager. Mais ensuite, eh bien, ce dernier Krager attache Warriz à ce qu'ils appellent une plante ballon, donc ce qu'ils appellent une baie d'aigrelette, si vous voulez le nom exact d'après la bande dessinée. Voilà, donc ce qui fait qu'effectivement, après, eh bien, Warriz s'envole et donc ça fait qu'ils sont tranquilles pendant la nuit, quoi. Voilà. Le lendemain, quand il est calmé, Warriz, Krager et Laval donc, vont récupérer la canine mère volée. Entre-temps par Sir Fangar, voilà. Donc là encore, ils utilisent les ballons afin de voler au-dessus de la forteresse ou au-dessus de l'endroit qui est gardé. Et après, ils arrivent à battre en retraite les tigres grâce à l'armée des loups. Voilà. Donc c'est plutôt cool parce que ça, effectivement, je dois avouer que quand j'ai relu, je ne m'en souvenais plus du tout de ce concept de la lune de 100 ans. Et donc bon, même c'est un peu bizarre qu'il arrive à en créer une un peu de toute pièce grâce au reflet d'un cristal, c'est plutôt rigolo, je trouve. On passe maintenant eh bien, au numéro 15. Donc on aura Gorzan. Voilà, donc Gorzan, là encore, bien sûr, version de feu. Oh là, par contre, attendez, parce que là, on va faire étape par étape. D'abord le focus, ensuite la petite lumière. Donc Gorzan avec ses deux points, ce qui est plutôt cool, parce que c'est quand même des bonnes pièces, même si, bon, depuis un certain temps, elles sont de plus en plus utilisées. Donc, ce qui fait que vous pouvez les avoir autrement que dans Shima, parce que de base, elles étaient pas où ces pièces dans Shima, pour la tribu des gorilles, justement, spécifiquement. Mais depuis, voilà, il est possible de les avoir dans d'autres thèmes, et dans d'autres couleurs aussi, ce qui est toujours un avantage. Donc, Gorzan est aussi apparu dans le Sabertooth Walker, donc effectivement le véhicule de Sir Fangar. Ensuite, dans la forteresse de Sir Fangar, justement, ainsi que dans le Tormax Shadow Blazer, tout comme Sycor. Et pour les extras, on avait le guide des épisodes de l'épisode 13 à 18. Voilà. Alors ensuite, en termes d'histoire, je pense savoir. Ah oui, effectivement, ce qui se passe. D'accord, ok. Donc là encore, on aura forcément Gorzan qui est mis en avant. Même si, comme vous pouvez le voir, il ne va pas être très coopératif, car en effet, dans ce numéro 15, l'histoire, c'est que la cité des aigles est attaquée par les vautours. Donc Eris et Laval sont envoyés par Ewald pour aller chercher de l'aide chez la tribu des gorilles. Là-bas, Gorzan, en fait, rejette le shitfeu en disant que eux, ils aiment bien l'hiver pour différentes raisons. Donc, j'ai envie de dire, ok, pourquoi pas, quoi. Donc, au final, ils s'en fichent un peu que tout le terrain soit gelé parce que pour eux, l'hiver, c'est sympatoche. Donc, Laval et Eris rentrent bredouille, mais forcément, pendant ce temps, Sir Fangar, à l'aide d'antennes de glace, prend le contrôle des ultra-robots des gorilles pour attaquer leur village, puis celui des aigles. Gorzan fonce au château des aigles. Et il finit par accepter le chi de feu et il bat bien sûr les ultra-robots ensuite qui entre-temps avaient aussi éloigné les vautours. Ah oui, donc oui, effectivement, c'est vrai. Donc ouais, Sir Fangar s'empare des ultra-robots grâce à des antennes de glace, donc il les fait attaquer la tribu des gorilles, puis ensuite les emmène vers là encore le château des aigles. Et après, c'est vrai que voilà, les ultra-robots entre-temps font
fuir les vautours. Et après, Gorzan les pas. Donc ouais, c'est un peu bizarre, ça se mélange un peu dans tous les sens. Mais voilà, quoi. Mais encore, voir Gorzan qui met bien l'hiver, c'est un peu bizarre. Mais après, il se rend compte au final dans la bande dessinée qu'il aime aussi bien la bande dessinée. Qu'il aime bien la bande dessinée. Qu'il aime bien l'été aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas top, quoi. Qu'il aime bien le printemps. Deux figurines d'un coup, il est quand même temps de passer à une structure. Hein, c'est souvent le cas, c'est souvent genre une figurine, une structure ou deux figurines, une structure. Mais on n'en coupe pas. Et donc là, vous allez voir la plus grosse structure, je pense, du magazine Shima. Et aussi peut-être de tous les magazines Lego à venir. Car effectivement, il s'agit de la baliste de glace. Qui est vraiment massive, hein, comme on peut remarquer. Surtout du fait des grandes pièces de pointe utilisées, apparues pour la première fois logiquement avec les araignées si je dis pas de bêtises. Voilà, et donc là encore ça tire vraiment hein, avec les petits missiles ici, donc vous avez deux petites munitions, voilà. Donc la balise de glace et pour les extras, guide épisode 19 à 24. Et donc pour l'histoire, alors là visiblement on a face à un pavé, donc laissez-moi vous lire ça. Effectivement là, donc oui, Eris passe tout son temps libre au détriment de Krager et Aval qui ne peuvent plus la voir. Se rendant compte de cela, Fluminox envoie Eris chercher quelque chose dans le royaume oublié. Et même si c'est une mission solo, et bien au final, que Eris refuse leur aide, Krager et Laval décident de la suivre pas derrière, voilà, sans trop se faire voir. À l'entrée du royaume, il y a des fortifications des mammouths, qui ont été construites avec des balistes, justement, comme moyen de défense, donc ces mêmes balistes de glace, là. Et on apprend que Eris, eh bien, elle a très peur des balistes de glace. Alors c'est un peu bizarre comme type de peur, je suppose. Mais comme c'est des armes qui tirent en l'air, je suppose qu'elle a peur de se faire toucher quand elle vole. Mais c'est vraiment bizarre, ça, avec son bonne dessinée, parce qu'elle a vraiment l'air affolée par les balistes de glace. Donc ça me fait un peu bizarre, bizarre, mais bon, c'est comme ça, je suppose. Voilà, donc au final, elle est prise de panique, si vous voulez, et elle décide de foncer droit devant elle, tout en se cachant les yeux. Donc voilà, elle a tellement peur qu'elle se cache les yeux, elle fonce droit devant elle. Donc ce qui permet au final à Krager et Laval de, eux, eh bien, aider Eris indirectement, si vous voulez, en se munissant d'une balise des glaces, justement, en montant sur une des tours et tout, comme ça, et après de tirer sur les autres tours pour les détruire. Donc justement, ils aident Eris. Une fois dans le robot oublié, Eris trouve le chi de feu qu'elle était venue chercher, mais elle tombe nez à nez avec Mungus, donc le mammouth. Voilà. Sauf que là encore, Krager et Laval à la rescousse se déguisent en gros monstres des boues et font peur à Mungus qui fuit. Voilà. Eris se rend compte du subterfuge et surtout, voilà, elle réalise l'importance d'avoir des amis en plus d'apprendre de son côté. Et à la fin, ils font tous du Speeders ensemble. Oh, voilà, c'est mignon. Donc voilà. Et par contre, je suis un peu déçu parce que je dois avouer que la bande dessinée promettait visiblement, genre, Eris dans son aventure solo. Je suis genre, ouais, cool. On voit que Krager et Laval depuis un certain temps. Eh bien, non, au final, Eris a peur tout du long et donc c'est un peu bof bof, mais bon, c'est comme ça. Faut faire avec. Allez, on passe ensuite au numéro 17. Donc c'est le 16, hein, je sais pas si c'est précis à chaque fois, mais c'était le numéro 16 avec la balise des glaces. Le numéro 17, retour à une figurine et une. Plutôt cool, car effectivement, il s'agira de Lindor le léopard, une des tribus en fait, entre guillemets, de la garde des phénix, qui est plutôt cool parce qu'elle permet d'avoir plusieurs types d'animaux différents. Bon, tous proches des lions, forcément, hein, mais pas moins intéressantes pour autant. Et donc, Lindor qui apparaît dans un seul autre modèle, qui était le Vardis Ice Vulture Glider, soit le modèle entrée de gamme. De la seconde vague 2014. Donc en clair, la première vague feu et glace. Sauf qu'effectivement, dans le modèle de Vardy, il avait une armure lourde et pas une, enfin, une armure 2.0 et pas une 1.0 comme ça, tout simple. Mais en tout cas, elle est vraiment rare parce que là, c'est une figurine qui n'est apparue que dans un seul modèle. Donc ça, c'était aussi les avantages du magazine Shima, c'est que des fois, certains personnages, eh bien, ils étaient vraiment plutôt rares à trouver. Donc comme vous avez pu voir, Sakura était quand même relativement rare, mais lui, il est encore, entre guillemets, un peu plus rare à choper. Voilà. Et forcément, ça coûtait moins cher que de dépenser 20 euros dans le modèle, même si en soi, le modèle de Vardy était très complet. Voilà. Et donc, après, pour le reste, les extras, on avait le guide épisode 25 à 30. Et donc, pour la petite histoire, Fluminox dit qu'il faut aller récupérer les 8 ailes de feu. Donc, effectivement, c'est vrai qu'avant ça, c'était avant tout l'entraînement de Krager et Laval, et aussi celui de Eris, d'une autre façon, pour avoir du chi de feu. Et donc maintenant, effectivement, le focus n'est plus sur le chi de feu,
mais voilà, quand même plus sur les ailes de feu à les récupérer pour lancer la grande illumination. Voilà. Le problème, c'est que Tormach s'emparait de la carte, car effectivement, dans le numéro 17, Tormach est déjà passé, entre guillemets, du côté obscur, donc il a déjà volé la carte, voilà, la carte où étaient indiquées les ailes de feu. Donc voilà, ça c'est fait. Là encore, ce n'est pas expliqué dans la bande dessinée. Donc là encore, c'est un peu les bandes dessinées qui sont en parallèle de l'histoire principale. Donc il faut aller chercher Tormach slash Pantard. Ce qui fait que Krager Laval et Eris y vont accompagner Lindor. Et ensuite. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, okay, c'est ça. C'est qu'effectivement, donc la séquence initiale, elle se passait dans le Temple des Lions. Et donc après, ils s'enfuient du Temple des Lions qui était encerclé par les chasseurs de glace à l'aide de leurs animaux légendaires. Et donc c'est à ce moment-là qu'effectivement, Lindor va proposer d'aller voir du côté des crocos pour trouver Tormach. Sauf que Krager et Laval, ils n'en font qu'à leur tête et il dit qu'il faut aller chercher dans les cavernes. Parce que si vous voulez, Krager, il aime pas trop Lindor, je sais pas trop pourquoi, mais ça lui revient pas visiblement sa tête. Et donc ils disent, ouais, de toute façon, nous on sera les futurs rois, donc on va pas écouter un vieux, un gros chien, et puis blablabla. Donc ils vont dans la caverne. Dans la caverne, ils ne trouvent rien forcément. Et en plus, quand ils ressortent de la caverne, ils se font attaquer par les chasseurs de glace. Mais néanmoins, en même temps, ils voient qu'au loin, il y a de la fumée. Voilà. Donc Lindor et Eris restent derrière, en fait, pour attaquer les chasseurs. Tandis que Krager et Laval vont inspecter la fumée sur le dos, de l'aigle légendaire, donc par lequel ils avaient pu, s'échapper auparavant. Donc, ils y trouvent Tormach, qui est devenu justement Panthère, mais qui ne veut pas revenir ni se battre. Et donc, en fait, il leur montre directement leur plan, le plan qui est, je vous rappelle, incrusté sa tête, en fait, hein, imprimé sa tête et tout. Donc, souvenez-vous, hein, les grosses figurines Lego Legend of Shima, il y avait un très joli détail au niveau de la tête de Panthère à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà, donc il leur montre la carte. Le problème, c'est qu'après, on se rend compte que Krager, comme il a une très courte mémoire, en fait, il n'a pu retenir qu'un seul emplacement sur les 8. Voilà. Et à la fin, bien sûr, Krager respecte un peu plus Lindor, qui a montré qu'il savait se bastonner contre le chasseur de glace. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, première apparition de Pantard slash Tormach, je ne cachais pas. Ah oui, c'est Tormach qu'on le voit hein, dans déjà aux émotions ciné avec quand il faut sauver Flinks. Donc bon. Ok, on passe maintenant au numéro 18. Et cette fois-ci, eh bien, on aura les armes de feu et les armes de glace, qui est plutôt quand même plutôt cool parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a été quand même très gâté au niveau armement glace, mais en termes de feu, on a un peu moins de choses. Donc voilà, à nouveau, donc 6 armes en tout, 3 pour chaque coin, donc là encore, qui sont un peu différentes de celles qu'on peut avoir dans les speeders, dans les boîtes de jeu. Après, et là encore, il est vrai que moi, je ne suis pas non plus, hein, je n'ai pas en tête toutes les armes existantes dans les modèles Shima, si vous voulez, hein. Mais je me doute bien que par exemple, ça ou ça, c'est différent de ce qu'on a auparavant. Après, ça par contre, voilà quoi, ça c'est pas très très original. Mais voilà quoi. Donc bon, ça permet d'équiper un peu vos guerriers. Et bien sûr, en extra, on continue le guide avec les épisodes 31 à 36 avant une petite pause. Mais ça, on le verra pour l'épisode 19. Donc, on a ça. Et pour ce qui est de l'histoire, eh bien. Laval est le seul à avoir récupéré ses ailes de feu, donc là encore c'est hors bande dessinée, c'est montré au tout début. Mais bien sûr, il ne sait pas encore très bien se servir ses ailes de feu. Donc avec Eris et Krager, il décide de se rendre au Temple Lion, mais de loin il voit que les chasseurs de glace occupent déjà les lieux et surtout ont détruit le pont du temple, donc le pont-levis, souvenez-vous. Krager va chercher de l'aide chez les castors pour se battre contre les tigres à dents de sabre, avec à la prime forcément pour convaincre les castors qu'ils pourront réparer le pont. Donc, je vous rappelle que les castors en Shima aiment beaucoup réparer, réparer, réparer. Voilà. Ensuite, Eris se retrouve obligé de voler en portant Laval parce que lui, il ne sait toujours pas utiliser ses ailes de feu, quoi. Donc, il vole jusqu'au temple pendant que les autres, à savoir les castors, font diversion. Mais les ailes de feu pèsent tellement lourd qu'au final, que quand les vautours attaquent Eris, eh bien, elle est obligée de laisser tomber Laval qui, par chance, arrive directement dans le temple. Là, à son réveil, il trouve son père ainsi que Fluminox qui lui dit que pour voler, il faut qu'il se concentre sur une seule chose à la fois, enfin qu'il concentre son esprit sur un seul élément. De ce fait, Laval part sur la plus grande tour du temple et finit par arriver à voler. Il arrive aussi à sauver Eris en même temps et repousse les troupes de Sir Fangar. Quel héros, ce Laval! Voilà. Donc, tout ça grâce aux ailes de feu. Et d'ailleurs, dans les scénarios, je ne me souviens plus du tout comment ça fonctionne dans la série.
mais dans la bande dessinée, les ailes de feu, ça fait comme un gaz de peu d'échappement. Il y a une sorte de grosse fumée noire qui en sort et c'est absolument immonde, je trouve. Parce qu'on dirait vraiment que le truc pollue à max, quoi. Donc c'est un peu. Genre, ouais, t'es sympa avec tes ailes de feu, mon gars, mais la couche d'ozone, elle me dit non merci, quoi. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Ça rend un peu bizarre, quoi. Une sorte de grosse fumée noire qui s'échappe des ailes de feu. C'est un peu bof-bof. Allez, on passe au numéro 19. Avec une nouvelle figurine et pas des moindres, car en effet, avec le numéro 19, eh bien, on est sûrement. Alors, je me souviens plus de quel mois il date. Mais c'est vrai qu'entre-temps, quand même, on est arrivé en 2015. Et ce qui est 2015 dit nouvelle tribu pour les. Pour Shima, quoi. On reste effectivement dans le thème feu contre glace. On est des nouvelles tribus, je vais y arriver. À savoir les ours des glaces. Voilà. Donc, forcément, qui rejoignent hein, le camp des chasseurs des glaces. Et donc, lui, c'est Ice Claw. Et donc, par contre, il faut noter que dans la version magazine, c'est la seule fois où il apparaît avec une armure. Toutes les autres fois. Alors, par contre, je me demande s'il y a une explication sur les signes qu'ont les ours polaires. Ils ont tous des signes derrière leur tête, mais je me demande si c'est expliqué dans la série ou dans d'autres histoires. Parce qu'il me semble que ce n'est pas expliqué dans la série, en tout cas, voilà. Donc, oui, Ice Claw qui effectivement apparaît pour la première fois avec son armure dans le magazine. Et puis, pour le reste, vous pouviez le trouver dans le Ice Bear Mech, qui est un modèle promotionnel avec un petit robot ours, qui était relativement sympathique. Mais là encore, qui dit modèle promotionnel, donc sachez. Dit plutôt difficile à trouver, et ensuite il était aussi toi dans le Bladvic Rumble Bear, donc le gros méca ours de Bladvic, sorti donc dans la entre guillemets dans la seconde vague 2015, quoi. Souvenez-vous, la seconde vague c'est du genre 3 ou 4 modèles, le méca ours, la base des mammouths, ainsi que le gros hélicoptère à deux hélices crocodile. Voilà. Et par contre, effectivement, pour le numéro 19, on revient sur la Chimapédia qui est consacrée, eh bien, justement, aux ours des glaces. Voilà. Donc, au niveau de la petite histoire avec la bande dessinée, eh bien, alors, les mammouths sont aux alentours du temple lion, mais leur plan reste inconnu. Énervé de ne pas savoir ce qu'il en est, Laval va enquêter, mais il tombe sur Ice Claw qui se fait attaquer par Mungus. Il décide alors de sauver Ice Claw, qui n'a jamais vu un ours polaire auparavant, un ours des glaces, avant d'attaquer ensemble les robots mammouths, donc justement avec l'aide de Ice Claw. Voilà, donc les robots mammouths, les robots à quatre pattes. Ensemble, ensuite, ils vont dans une grotte à la recherche des ailes de feu, parce que lui aussi, visiblement, les recherche, mais l'ours révèle qu'il est vraiment et dit qu'en fait que c'est un piège, voilà, et il piège Laval en faisant effondrer la grotte sur lui. Bien sûr, à l'aide de ses ailes de feu, Laval arrive à se sortir, puis affronte Ice Claw, qui lui maintenant est à bord du méca des ours polaires, voilà. Et donc les deux font un duel qui dure un certain temps, et puis finalement, Laval arrive à faire tomber le méca à l'aide d'une corde tendue, ce qu'il avait fait précédemment, effectivement, en utilisant le stratagème de la corde contre les gros robots mammouths. Voilà. Donc une corde tendue, hein, forcément, quand le robot marche dessus, il se fend la tronche et puis il tombe. Voilà. Pour la petite histoire. Donc maintenant, moi, Laval comprend que les ours polaires, les ours des glaces, si vous préférez, c'est pas trop ses potes. Et en comprenant ça, eh bien, on enchaîne avec le numéro. Bah, ça va pas tomber, tiens. Le numéro 20. Donc, le numéro 20 est la dernière structure, entre guillemets, avec la catapulte de Chi. Donc, ça, c'est censé se mettre bien propre comme il faut. Et donc, c'est tout simple, hein. Vous avez les projectiles là, vous mettez ça ici et après vous tirez. Là encore, je le fais assez peu fort pour pas que ça parte dans tous les sens, que ça tombe, mais vous comprenez un peu le. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien et c'est quand même aussi assez massif, hein. Là encore, c'est vrai que je vais peut-être le faire maintenant, avant de commencer, vu qu'au final, j'aurais pas grand-chose de plus à en dire à part l'histoire, mais si vous voulez une comparaison par rapport à une figurine, vis-à-vis de toutes nos petites structures. Bah, je vais sortir le canon glace aussi, tiens. J'aurais peut-être dû faire ça effectivement avant. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, ou peut-être pas. Mais on a quand même des éléments qui sont quand même de bonne taille. Que du très massif, la balise. Voilà, très massive la balise plutôt. Je devrais accorder mes temps, moi.
Alors, hop là, laissez-moi remettre ça, et puis on passe donc au numéro 20. Alors, en termes de bonus, il n'y avait rien de spécial, si vous voulez, parce que forcément, en termes d'épisodes, là, il en restait plus que 5 avant le dernier, donc ils ont décidé de faire une pause. Et en termes de Shmupedia, bah, il n'y avait plus grand-chose à faire, tout du moins en termes de personnages qui avaient une version figurine. Donc, on est un peu... Alors, par contre, je vais laisser ça ici. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y avait rien de spécial, voilà, ce mois-ci. Et pour ce qui est de l'histoire, eh bien sûr qu'on va la retrouver à Catapulte, avec une histoire de vol. Oh, terrible. Et pas le vol des ailes de feu, hein. Un vrai vol, genre le crime, hein. Attention. Donc, effectivement, alors, les vautours attaquent la base des crocodiles. Laval, Eris et Krager arrivent à les repousser, mais craignent une seconde attaque. De ce fait, et sous les conseils d'Eris, ils vont voir les Phénix et leur demandent effectivement s'ils n'ont pas une invention pour eux afin de repousser les vautours. Labelle découvre les plans pour une catapulte, mais Liella, donc la lionne, je vous rappelle, dont Laval tombe un peu amoureux, leur dit qu'elle n'est pas prête et tout, et leur empêche de la prendre. Bien sûr, Krager, qui n'en fait qu'à sa tête, décide de voler le plan dans son dos. Une fois revenu à la base crocodile, il révèle son méfait aux deux autres qui n'ont d'autre choix que de l'aider à construire la catapulte s'ils veulent résister aux vautours. Forcément, au moment de l'attaque, la catapulte ne marche pas et Lindor arrive avec sa garde. Et non pas pour aider effectivement les trois gaillards et les crocos, mais pour arrêter Krager du fait du vol, quoi. Logique. Donc bon, ils sont quand même très rapides et tout, hein, mais bon, la justice et les phénix, ça fait vraiment un, quoi. Donc, néanmoins, Krager demande à Eris et Laval d'un peu repousser les tigres et tout ça et tout pendant un petit moment. Le temps qu'il bricole un peu la catapulte, voilà, et puis. Forcément, il arrive à la faire fonctionner et arrive ensuite à repousser les vautours. Et enfin, une fois rendu au temple de Fluminox, ce dernier lui dit qu'il comptait le punir pour le vol, mais comme il a été fait sans mauvaise intention, alors ça passe. Voilà. Donc, comme la morale de l'histoire, les enfants, c'est que vous pouvez voler si c'est justifié derrière, quoi, je suppose, j'en sais rien. Enfin, c'est très bizarre et tout. Et à la fin, il dit, mais ouais, Krager et tout, comme t'as l'air plutôt fort et tout pour faire marcher les inventions, vient nous aider un peu, quoi. Donc bon, voilà, c'était pas. Bon. Enfin, je tiens quand même à dire que c'est un épisode, je vais y arriver, un peu comique quand on sait qu'on a l'épisode de la fin un peu, mais bon, c'est comme ça, quoi. Mais par contre, c'est vrai que quand même, Krager et Laval, ils ont aussi une couche, parce que ça fait quand même à peu près depuis genre 20 numéros, au final, qu'ils en font qu'à leur tête un peu, quoi. Quoi que tu me diras, encore, dans tout ce qui était saison contre les tribus maléfiques, il me semble qu'encore, ils en faisaient pas trop à leur tête. Tout du moins, pas trop Krager, quoi. Peut-être plus Laval, qui plusieurs fois a voulu faire son embêtant. Bref, on passe au numéro 21, avec Stelfor, notre second tigre à dents de sabre. Stelfor, qui était disponible dans le Sabertooth Walker, donc le véhicule de Surfhangar, aussi disponible dans le plus gros modèle, donc à savoir le Temple Phénix de Feu, très cool, ainsi que dans le Krager Firestriker, donc le véhicule de Krager de Feu, dans lequel d'ailleurs il avait aussi une armure 2.0 comme ceci, donc une armure massive, lourde. Je sais pas comment vous les appelez ces armures-là. Moi c'est souvent 2.0, mais c'est vrai que je me rends compte qu'au final, on peut les appeler armures lourdes et ça fonctionne plutôt bien aussi. Voilà. Comme ceci. Au niveau des extras, là encore, rien de plus. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir commencer directement avec l'histoire. Alors, la Valley Krager qui a. Oui, donc évidemment. La Valley Krager, dont ce dernier. Oui, donc Krager. Ah, j'y arrive. Je vais recommencer. Laval et Krager qui a trouvé ses ailes de feu, car effectivement, jusqu'à présent, il y avait juste Laval qui les avait et puis le reste, basta, quoi, volent ensemble, transportant un sac de chi de feu pour les ours. Mais se font attaquer en route par Pantard qui perce le sac et fait tomber le chi dans de l'eau. Donc forcément, c'est un peu foutu. Ils reviennent au temple du Temple Lion, je crois, au Temple du Phénix, peut-être plus Temple Lion, et racontent ce qui s'est passé à Fluminox, qui a du mal à croire ce qu'a fait son vieil ami, et forcément, Liella, elle refuse de croire en l'acte de son père adoptif. À l'extérieur du temple, Laval et Krager se font une nouvelle fois de plus attaquer par Pantard, qui gèle le crocodile et s'en prend à Laval afin de justement lui prendre ses ailes, donc il lui vole ses ailes, et ce, dans le but d'en faire un cadeau à Surfhangar pour son anniversaire, et ce, sous les ordres justement de Stelfor, qui avait demandé directement à Pantard de lui faire ça comme cadeau. De faire ça comme cadeau voilà, pour Surfhangar.
Donc oui, je crois que c'est Surfanger qui fête ses 2000 ans, un truc comme ça. Donc Kragar, une fois dégelé, porte la valle et vole vers la forteresse de Surfangar. Là-bas, ils affrontent à nouveau Pantar ainsi que les Tigres à dents de sabre. Et Kragar qui prête effectivement ses ailes à la valle, car pour l'instant, Kragar ne sait pas trop se battre avec des ailes de feu. Donc la valle et Pantar se battent ensemble. Et Pantar lui révèle en fait que si il fait ça, s'il est sous les ordres des Tigres, en fait, simplement parce que ces derniers ont capturé Leela, visiblement, et menacent, eh bien, voilà, d'en finir avec elle, mais Laval lui dit c'est faux, Leela, je l'ai vu il y a à peine 2 secondes, et au final, eh bien, tous les deux tournent dans une salle et ils lui montrent qu'effectivement, bah, Leela, ce qu'il avait cru être Leela, ce n'était qu'une statue de glace de cette dernière, et donc voilà, les Tigres à dents de sabre se sont bien foutus de Pantar, et donc forcément, directement, il s'excuse, et puis il rend les ailes de feu à Laval, et puis d'ailleurs, Pantar dit qu'il n'est pas décidé encore à revenir auprès des autres, et donc il s'en va. Voilà. Et ensuite, effectivement, Laval et Kragar s'enfuient de la forteresse. Et d'ailleurs, Pantar, vous ne le reverrez plus. Hein. Parce qu'il dit qu'à un moment, il dit qu'il n'est pas encore prêt à revenir, justement. Mais dans la bande dessinée, vous n'allez pas le revoir. Dans la série, par contre, je me suis un peu tout s'il revient ou pas. Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr. Et donc, il est temps de passer au numéro. Eh bien, au dernier numéro, le 22, donc publié en décembre 2015. Alors, d'après eux, la date de sortie c'était le 5 décembre 2015, mais il me semble qu'il y a eu des retards à ce niveau-là. Il y a souvent des retards de toute façon. Donc, voilà. Mais bref, voilà. Donc, décembre 2013, comme j'ai dit en début de vidéo, jusqu'à décembre 2015. Non, plutôt novembre. Oui, j'ai dit une bêtise en début de vidéo. C'est novembre 2013 à décembre 2015. Le magazine Shima. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour ce dernier numéro, nous avons Bulkar. Donc, qui auparavant est apparu uniquement dans le Icebite Claw Driller, donc là encore le méca des ours polaires. Donc, forcément, beaucoup moins que tout dans ce magazine. Tant plus que les ours, c'est plutôt rare. Hein. Il n'y a que 2 sorties en tout, Bladvik et Bulkar. Et Bladvik, c'est du genre disponible encore dans un seul modèle, à savoir son méca ours à lui, quoi. Le Bladvik Rumblebear. Donc, vraiment cool d'avoir Bladvik, là encore, en plus figurine ours. Ça, c'est pile poil le genre de personnage qu'on voyait dès le début de la série, mais qui sont apparus que très tard en jouet. Hein. Parce qu'au final, dès les premiers épisodes de la série, vous aviez les castors, vous aviez les ours, tout ça, mais on a mis beaucoup de temps à les avoir. C'est dommage, en plus, qu'on les a pu en beaucoup de fois, qu'on a eu genre un castor, 2 ours. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, comme on dit. Et bien évidemment, qui dit dernier numéro dit aussi dernière partie du guide, enfin, avec les épisodes 37 à 41. Voilà. Allez, et donc pour cette dernière histoire, vous allez voir, on est quand même assez proche de la série animée dans le sens où on arrive à la même conclusion, à savoir que les chars de glace attaquent le temple lion, encore, même si après tout c'est logique, tu me diras, parce que le temple lion, il est juste en dessous du mont Kavora où est le temple phénix. Donc forcément, voilà quoi. Donc ils attaquent le temple lion, et même si les héros maintenant ont tous récupéré leurs ailes de feu, donc les 8, hein, ils ont quand même du mal à faire face à l'attaque. Et encore plus avec l'arrivée des ours polaires. Donc Eric a une vision qui lui montre effectivement ce qui va arriver s'ils si échouent à déclencher la grande illumination. Voilà, donc il y a ça qui arrive. Et en même temps, les castors, eux, eh bien, arrivent pour aider dans la bataille, mais se font quand même contrer par les ours de glace, qui à leur tour, effectivement, se font défier par la tribu des ours qui arrivent en renfort. Face à cette aide, Eric dit que même s'ils sont que 8, eh bien, ce n'est pas grave, il faut vraiment aller déclencher la grande illumination. Donc ils se rendent tous les 8 au mont Kavora. Là, ils se demandent ce qu'ils vont faire vu qu'il manque le 9e Phoenix pour la déclencher. Forcément, Flinks arrive, révèle que c'est lui qui est le 9e Phoenix, voilà, avec ses grandes ailes maintenant. Et ensemble, ils déclenchent la grande illumination qui amène la paix sur le monde de Shima. Surfangar redevient un type comme ça. Voilà, même après avoir attaqué les mecs tout le temps, même après avoir voulu de... Lié là comme épouse, si je dis pas de bêtises, bref, voilà quoi. Donc ça c'est fait et c'est fini pour les bandes dessinées. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vous propose une petite chose, c'est qu'effectivement, eux, on va les mettre en groupe, mais avant ça, on va faire un petit récap des couvertures déjà. Ensuite, on va s'attarder, excusez-moi, sur le dernier numéro qui avait un petit récap des personnages. Et puis après, eh bien, on fera des petits groupes de figurines. Vous allez voir ça ensemble. Donc effectivement, pour tout ce qui est
Magazine, c'est fait. Voilà. Alors, que je mette ça bien comme il faut. Alors, par contre, j'aimerais bien que je n'ai pas les bandes de couleur, mais j'ai bien peur que ça va être compliqué. Est-ce que si je mets le bouquin, ça n'apparaît pas? Déjà, si je mets le bouquin, on voit strictement rien. Donc, attendez. Voilà. Mais le plus en plus, c'est qu'il y a la lumière, mais on voit pas de différence avec le soleil, quoi. Alors, j'espère que vous allez voir ça comme il faut, malgré les reflets qu'il peut y avoir. Donc, petit récap des couvertures, juste histoire de revoir ce qui a été fait, et histoire de vous en mettre encore un peu plein les yeux. Donc ça, c'était le numéro 1, vous l'avez vu en début de vidéo 1. Vient ensuite, alors je vais en prendre plusieurs pour faire. Le numéro 2, donc on avait Laval, Krager maintenant. Alors je crois que c'est Krager, je suis pas trop... Ah, quoi qu'au final, il a peur d'avoir des yeux blessés, non, celui-là? S'il y a peut-être son œil de verre sur le côté là ici. Donc ce qui semble être Krager, des fois j'ai un peu de mal avec les crocos, je vous dirais. Laval à nouveau. À moins que ce soit Lennox, mais je pense pas que ce soit. Je pense que c'est. Non, vu la couronne qu'il y a, c'est Laval. Sombrevent ensuite. Ou plutôt Lagravis avec le costume de Sombrevent, quoi, dans l'idée. Vu qu'on a quand même cette tête. Gorzane pour le numéro 5. Worries pour le numéro 6. Et ça tombe bien encore en plus on a Worries et la canine en cadeau. Numéro 7 avec. Alors là par contre c'est Krager, on voit clairement bien la petite l'œil de verre ainsi que la petite cicatrice sur l'œil. Donc c'est ce que je vous ai effectivement là, la Chimapédia ils disent les chauves-souris, mais non, c'est pas les chauves-souris, c'est du genre les loups dedans. Le numéro 8 avec. Alors je crois que c'est notre Sparatus, ça, si je dis pas de bêtises. L'araignée. Et donc après ça, justement, eh bien, là on a la coupure au numéro 8 avec la seconde vague 2014. Car regardez qui c'est. Eh bien, c'est à nouveau Laval, mais surtout, le magazine change de présentation et a les couleurs feu et glace. Donc on retrouve Laval. Puis on retrouve directement après Worries, qu'on avait quand même quitté il y a peu de temps. Krager. Donc comme quoi, pour l'instant, il y a tous trois noms qui reviennent. Hein. Krager, Worries et Laval. Et d'ailleurs, Laval, eh bien, vous savez quoi? Il revient pour le numéro 12. Et par contre, ah là c'est quand même plutôt cool, pour le numéro 13, on a Fuminox. Et Fuminox, c'est quand même toujours cool, hein, il est vraiment... Bon, les l'ont quand même mis ses jambes, alors que je le préfère avec sa toge, mais... Il rend vraiment très bien. On a quand même ensuite Surfangar, tout de même, donc après Fuminox, c'est plutôt cool. Dans les deux grands rivaux, entre guillemets. On retrouve Gorzane en version... Chi de feu, pour le numéro 15. Le numéro 16... Eh bien, on a Krager à nouveau. Et puis là, on arrive dans la dernière ligne droite. Donc, laissez-moi prendre ça. Numéro 17, bah, forcément, Lindor est mis en avant car vous l'avez aussi en figurine. Mais juste après, vite, 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 les gosses, ils s'en fichent de Lindor. Remettez Laval. Donc par contre, c'est étonnant qu'on ait autant d'images de Laval mais, qui existent officiellement. Mais bon, ok. Hein. Puis, eh bien, c'est. Alors, lui, c'est pas Ice Claw. Lui, c'est peut-être Ice Bite, je crois, avec le casque doré. Vite! On a mis un différent, vite! Remettez Inconnu, on remet Krager, ok. Pour le numéro 20. Et donc, pour l'avant-dernier, vous avez le trio pour la fin, quoi. Et effectivement, vous avez Roriz, qui a une. Tête, je sais pas trop ce qu'il y a comme tête, mais en tout cas, il a une tête, c'est sûr. Et on a Laval. Et par contre, je tiens à dire que, hélas pour eux, la dernière image de Laval, c'est peut-être la moins intéressante, je trouve. Il y a des images vraiment très classe de Laval avant, mais là, c'est un peu la moins cool. C'est un peu dommage pour le numéro 22, mais bon, que voulez-vous. C'est comme ça. Nous, on n'a pas fini avec le numéro 22, d'ailleurs, parce que je voulais vous montrer quelque chose. Et après, on fera des... On mettra les figurines ensemble. Donc laissez-moi juste
remettre ça par terre. Même si bon, la vidéo est un peu longue, hein, mais ça, oula, je sais pas s'il y a un gros bruit chez vous aussi. Donc oui, ce qui était quand même plutôt cool, c'est que tu arrives à la fin, le magazine nous propose un petit récap des personnages. Je vais y arriver. Alors, je crois qu'il est là. Voilà. Le récap Feu contre glace, qui est honnêtement super intéressant parce que ça récapitulait la plupart donc, des personnages. Donc, qu'est-ce qui n'apparaît pas là-dedans? Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a tout ou pas? Alors, vu qu'on peut voir les loups de la première vague, les corbeaux aussi, les ours, bref, les choses des glaces. Eh bien oui, effectivement, il manque des choses. Déjà, comme forcément, la thématique, c'est feu contre glace, tout ce qui est tribu maléfique, à savoir chauve-souris, araignée et scorpion, ça n'apparaît bien évidemment pas. Aussi à noter, vous n'avez pas les deux figurines qui étaient exclusives au Speedor, à savoir Furty et Skinhead, donc le renard ainsi que le putois. Voilà. Après, en termes de, d'autres choses, on pourra noter que par contre, pour les Phoenix, effectivement, vous n'avez pas Firehawk qui apparaît. Alors Firehawk, c'est une figurine, et c'est compréhensible qu'elle n'apparaisse pas, parce que Firehawk est un personnage slash figurine qui est apparu uniquement avec une encyclopédie Shima, donc un gros bouquin, vous avez une figurine dedans, c'était Firehawk. Bon, voilà. On pourra par contre aussi noter que Flinks a ses petites ailes, et pas ses grandes ailes, ce qui est un peu bizarre, vu qu'effectivement, tous les personnages principaux eh bien, ont leurs ailes de feu pour la grande illumination, donc on aurait pu au moins Flinks et des grandes ailes, mais visiblement non. Et après, pour le reste, eh bien, on pourra noter que... Ah oui, déjà, effectivement, dans la garde des Phoenix, ici, vous avez Lindor, Tormac et Liela. Vous avez Tormac en version Pantard, mais pas Tormac en version simple. Voilà. Et aussi, vous n'avez ni Tazar ni Trakar, qui sont deux tigres qu'on avait avec le gros véhicule tigre, justement. Voilà, donc eux n'apparaissent pas. Ensuite, on pourra noter que... La part... Je crois que j'ai... Ouais, j'ai dû oublier un nom là-dedans, non? J'ai dû oublier un nom, je pense. Bah, c'est bizarre, je l'ai sûr de leur prix, pourtant. Bref, c'est pas très important. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, en termes de tigre à dents de sabre, il manque Cybrez, qui était donc la fille tigre à dents de sabre, et un autre personnage qui est apparu dans la seconde vague 2015, mais dont j'étais sûr d'avoir remarqué le nom, mais je ne l'ai plus. Ouais, non, je ne le vois pas. Bizarre. Et aussi, bien évidemment, n'apparaissent pas, alors ça par contre c'est un peu entre deux, les différents personnages des Battle Packs. Donc souvenez-vous, les packs de troupes qui est quand même tout cool, qui étaient introduits en 2015, donc on avait 4 packs de troupes, un lion, un croco, un tigre à dents de sabre et un ours polaire. Eh bien, vous avez Icerlot et Krokenberg qui n'apparaissent pas. Icerlot était un ours des glaces, donc il n'apparaît pas, comme on peut voir, il y a juste Icebite, Iceclaw, Icepaw et... Ah bah si, il apparaît alors. Qu'est-ce que je raconte alors? N'importe quoi. Ah bah oui, non, si, effectivement, oui. Excusez-moi. C'est celui des tigres à dents de sabre qui n'apparaît pas. Voilà. C'est aussi celui des crocodiles qui n'apparaît pas. Donc, ça s'appelle Krokenberg. Par contre, Icerlot apparaît, alors qu'il est bien exclusif au pack de troupes. Et, bien évidemment, Liela apparaît aussi, vu qu'elle était là. Et vu qu'effectivement, c'est Liela qu'on retrouve dans le pack de troupes des lions. Même si c'est vrai que moi, je ne pensais pas que c'était Liela qui revenait, mais si c'est bien elle. Voilà. Et donc, ouais, il y en a un autre de Tigre à dents de sabre, mais qui n'apparaît pas là. Donc je pense que c'est celui du pack de troupes, en fait. Bref, voilà. Mais c'est quand même plutôt cool, hein. Alors forcément, il n'y a pas toutes les tenues différentes, mais c'est intéressant. Et par contre, vous voyez, j'étais presque sûr qu'ils avaient fait la reine crocodile en figurine, mais non, ils ne l'ont jamais fait. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, je suppose. Donc, honnêtement, c'est plutôt cool. Comme ça, vous avez même les loups de la première vague. Alors, pourtant, aussi, on ne la voit pas tellement que ça hein, dans l'histoire. Hein. Même si tu me dis, c'est qu'il y a une bande dessinée et tout qui vous apparaissent. Et comme on peut remarquer, à chaque fois qu'il y a un personnage qui est apparu en figurine, c'est indiqué dans quel magazine, dans quel numéro est apparu. C'est les petites inscriptions qui sont ici, ici, etc. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi je voulais vous montrer. Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi j'aime bien effectivement tout ce qui est un peu tableau récapitulatif, truc comme ça et tout, j'aime bien avoir un truc un peu complet. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a vraiment tout ou pas, qu'est-ce qui manque? Donc voilà, c'est un peu pour ça que je faisais, même si bon, je me doute bien, c'était peut-être pas le plus intéressant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre en place trois petites scénettes.
La première, ça va être tout ce qui est surprise numéro 12 à 22. La deuxième, ce sera tout ce qui est feu contre glace, parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est un peu quand même vraiment la grosse, avec 2013, c'est un peu la grosse histoire de Shima. Les bêtes légendaires étant plus, au final, j'ai envie de dire, une transition, malgré tout. Donc, je vais me dépêcher de faire ça. Je vais en mettre 6, même si c'est une erreur, je vais peut-être en mettre 5, puisque la balise prend beaucoup de place. Et comme vous avez pu remarquer, ce qui est assez intéressant, si on parle un peu en général des surprises qu'on a pu avoir à travers les différents numéros, eh bien, on n'a jamais eu ni Laval, ni Cryer, ni Iris. Alors que pourtant, c'est quand même les personnages qu'on voit le plus dans la bande dessinée. Et ça, déjà, c'est un peu quand même, je tiens à dire, une différence avec Ninjago, où effectivement, dans le magazine Ninjago, on a beaucoup plus les ninjas, les personnages principaux, donc Kai, Jay, Zane et Cole. Hein. On les a même eu deux fois, enfin, la plupart, on les a eu deux fois maintenant. Et donc, c'est vraiment, je pense, une différence au niveau des thèmes, aussi en termes des magazines, mais aussi au niveau des thèmes, où effectivement, dans Ninjago, on a vraiment quatre héros de base, et puis c'est vrai que le reste était un peu moins développé, mais maintenant, ça l'est un peu plus, hein, les personnages secondaires. Mais c'est vrai que, par exemple, comme par exemple, dans le magazine Ninjago, on n'a pas de Nia, on n'a pas de Sensei ou de trucs comme ça. Il a fallu attendre que récemment, pour avoir effectivement des personnages un peu autres que les ninjas, alors que Shima, eux, eh bien, on a quand même eu une certaine diversité, hein, mine de rien, avec les héros mis de côté, même si forcément il y a quand même d'autres qui sont apparus, hein, comme par exemple Gorzan ou Waris x2, bon voilà, hein, c'est ce que c'est. Mais voilà, donc c'est quand même assez intéressant de noter ça, je trouve. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ou pas, ou est-ce que c'est genre beaucoup trop lumineux? Alors, voilà donc pour nos figurines. Alors par contre, je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis un peu trop zoomé là? Ah, mais forcément, avec le soleil, des fois qui fait des gros splashs, des fois qui n'est pas du tout, c'est un peu bizarre. Bon, voilà en tout cas pour nos figurines du 12 à 22. Forcément, après, on les mettra avec les autres, même si vous allez voir, on fera un peu une petite différence. Et donc, oui, maintenant, moi, ce que je voulais faire, c'était le feu contre la glace. Donc, là encore, en tradition de mes vidéos rétrospectives bilan, je vais mettre, ça, ça va me permettre de faire les deux camps. Donc, on mettra finalement la glace de ce côté-là, je suppose. Vu qu'on a les armes de glace ici, donc j'aurai bien une partie au milieu. On va peut-être mettre les armes plus en arrière, peut-être. Donc ça, au final, ça peut être intéressant dans le sens où ça vous montre un peu ce que vous obtenez si vous avez, entre guillemets, un vrai investissement derrière le magazine. Quoi, en clair, qu'est-ce que concrètement vous avez après avoir dépensé 5,95 par mois pendant X mois, quoi. Est-ce que vous avez un truc qui fonctionne? Est-ce que ça vaut la peine ou pas, quoi? Ça peut, c'est à vous de voir, quoi. C'est vrai que, là encore, je dirais quand même que c'est un peu cher, hein, 16 euros pour une figurine. Et bon, le magazine, certes, il y a quand même envie du travail à réaliser. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu coûteux, je trouve. Bon, alors, par contre, je les mets juste un peu comme ça, là, parce qu'on peut non plus passer trop de temps non plus. Hein. Vous comprenez bien que l'objectif de la vidéo n'est pas non plus de faire des beaux dioramas, c'est avant tout de vous faire un peu un petit récap pour construire un peu de Shima qui voilà, s'est arrêté. Et je pense de toute façon que cette vidéo rétrospective ne sera pas trop la seule, mais ça on y arrivera peut-être en fin de vidéo. Donc voilà, et donc oui, par contre maintenant je vais pouvoir reprendre. Les cadeaux de des premiers magazines, car je les ai mis ici. Alors, je vais les mettre, attendez, je vais juste les faire ressortir ici. Comme ça, ça va me permettre de voir si je loupe des trucs niveau feu et glace. Mais je ne pense pas. Non, effectivement, tout le reste, c'est du 2013-2014 vague 1. Au final, là encore, j'ai envie de dire, c'est un peu le côté glace le mieux loti, parce qu'il aura le droit en plus à une catapulte. Il y a une prison de glace, quoi. Et à mon Vornon qui est très non, visiblement, vu qu'il n'a pas d'armes. Voilà. Mais en plus, on voit rien. Ah, mais... Bon, ben, alors... J'ai compris. On rapproche tout ce petit monde-là. Merci de bien vouloir vous rapprocher.
C'est quand même tout cool. Alors forcément, vous allez me dire, ouais, mais le magazine a quand même eu le temps de mettre, a quand même eu le temps pour ça, quoi. Effectivement, c'est vrai que voilà, forcément, dès qu'on a un thème, une thématique d'une vague qui continue sur une autre vague, forcément, il y a le temps d'exploiter, de la compléter. Donc là, c'est ce qui arrive. Et comme quoi, on a vraiment du contenu. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quoi. 14 magazines, donc plus de la moitié, qui étaient consacrés au thème feu et glace. Donc forcément, ça se ressent au niveau des cadeaux. Et ça se ressent qu'on a quand même un ensemble qui fonctionne bien, quoi, j'ai envie de dire. Vous avez aussi bien du personnage, entre guillemets, principal, qui est un peu plus secondaire, parce que Bulka, même si bon, il est principal, voilà quoi. Hein, c'est un de ces personnages. Je veux dire, souvent dans Chivon, il y a quand même des personnages avec une mentalité un peu déficiente, hein, j'ai envie de dire. Et je pense que là encore, je dois répéter un peu trop, j'ai envie de dire, je m'en excuse. Bref. Donc voilà. Glace contre feu, plutôt. Selon le sens où vous regardez. Comme ceci. Ok? Et donc je voulais faire ça. Et maintenant, je vais mettre tous les cadeaux ensemble. Alors, je vais pas les faire genre magazine par magazine. Comme ça, j'ai déjà plus ou moins fait avec le numéro 1 à 11, puis 12 à 22. Non. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va mettre tout ce qui est structure d'un côté et tout ce qui est mini-figurine de l'autre. Comme ça, vous pourrez voir un peu la proportion de l'un par rapport à l'autre. Bon, forcément, tout ce qui est structure, arme, va prendre un peu plus de place. Mais voilà. Et donc, bah, en conclusion, au niveau de l'histoire, par contre, avant que j'oublie, parce que ça, effectivement, la bande dessinée, je vous ai fait quand même un petit récap, mais je vous ai pas non plus dit trop fin ce que j'en pensais, si j'avais bien aimé, etc., etc. Bah, forcément, la bande dessinée, elle est ce qu'elle est, quoi. Elle est dessinée des fois de façon un peu hâtive, on peut le dire. Hein. Après, forcément, je me dis que c'était pas non plus très facile, selon le niveau de dessin et tout. Mais voilà, c'est vrai que bon, c'est pas non plus du grand art. Et après, en termes d'histoire pure, même si des fois, ça peut quand même faire rigoler un peu, quoi, parce que je viens de dire que il y a quand même quelques tronches des fois, voilà, ça fait un peu rigoler. Même si c'est pas vraiment voulu, je suppose. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, aussi des fois, il y a beaucoup de fois où les personnages, ils ont l'air d'être pas contents, quoi. Genre, ils ont chaque fois les sourcils froncés. Les sourcils froncés, c'est très bizarre des fois dans les dessins Shima, quoi. On dirait qu'ils sont vénères, on sait pas trop pourquoi. Des fois, c'est très bizarre, quoi. Donc, c'est très particulier, j'ai trouvé. Mais c'est comme ça. Et après, voilà, tout ce qui est histoire, comme vous avez pu le voir, souvent ça fait appel ou ça met en avant le cadeau. Donc, forcément, des fois, c'est un peu centré autour du cadeau qu'on a. Ah, mais c'est vrai que j'ai oublié la rampe avec le. Avec ça, tiens. Et d'ailleurs, en parlant de rampe, voilà la seconde. Et je crois qu'on a. Bah, justement, on va avoir Waris, là encore, le grand Waris qui va nous aider à. Waris qui est quand même souvent la gueule, qui va nous aider à faire la transition entre structure et figurine, car je vous rappelle que lui, c'est la seule figurine qui vient avec une structure. Chose qui a été reprise très récemment, d'ailleurs, avec le magazine Nexonite. Souvenez-vous, on a avec le problème, donc avec Lance, on avait une petite table et tout pour manger. Plutôt cool. Donc voilà. Voyez, excusez-moi, une petite pause là. J'ai mis le canon araignée ici, je mets ça là. Et on quoi. On va pouvoir maintenant. Alors par contre, au final, je me rends compte que. Niveau figurine, ça va être un peu galère pour mettre tout le monde. Mais on va essayer de faire ça correctement. Alors déjà, je vais prendre tout ce qui est animaux à ailes et les mettre en arrière vu qu'ils prennent un peu plus de place avec leurs grandes ailes, justement. Donc on va faire vraiment ce qui manque, je trouve, au niveau des figurines. C'est véritablement des figurines araignées, chauves-souris ou scorpions, quoi. Parce que hormis ça, on a vraiment de tout, quoi. On a aussi bien du assez rare. Du personnage principal que du peu commun justement donc voilà c'est vraiment c'est un peu dommage je trouve et donc en tout en termes de figurines t'as quand même pas mal hein. Par contre bah, comme je disais effectivement c'est vrai que Krug voilà, figurine de Krug c'est une figurine qui est plutôt
qu'on connaît bien, donc c'est vrai que bon, je pense qu'on aurait pu faire sans. Mais par contre, après, il y a des trucs vraiment intéressants, quoi, comme Psycore, comme Lindor, voilà, j'arrive pas à trouver ton petit nom, toi, mais c'est bien Lindor que tu t'appelles. Alors de base, je voulais faire un truc en fait divisé en deux, mais je crois que ça va pas être possible, quoi. Genre pas possible du tout. Alors c'était pas prévu, mais vous allez avoir double Waris devant quoi. Pourtant Waris j'ai rien contre lui, hein. C'est pas mon personnage préféré. Après moi j'aime vraiment beaucoup Eris, mais voilà quoi. Je suppose, c'est vrai que Victor mon personnage préféré. Je pense que ça va être Eris et peut-être un des Phoenix quoi. Phoenix j'aime vraiment beaucoup. La Gravie c'est cool aussi en Lion. Il a vraiment des belles illustrations des fois pour aller avec lui et la figurine elle est aussi très jolie. Donc voilà effectivement notre contenu après 1 heure de vidéo, génial. Donc on a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 figurines. Donc comme vous pouvez voir, on a quand même eu quelque chose d'assez. On a quand même eu une bonne moyenne, qu'on n'a pas eu non plus que des grosses structures, parce que forcément des fois, je sais pas si vous préférez les figurines aux structures ou si vous préférez les structures aux figurines. C'est vrai que souvent on est un peu plus attiré par les figurines parce qu'au moins on sait qu'on aura un beau personnage, alors que les structures, des fois avec peu de pièces. C'est pas très très top ou super intéressant à construire, quoi, si vous voulez. Par exemple, la pente Speeders, en soi, elle fonctionne bien parce qu'elle reprend des éléments de Chimèque, les plantes, la végétation, tout ça et tout. Mais après, c'est vrai qu'en termes d'unité visuelle, c'est pas non plus tip-top, quoi. Idem un peu pour les différentes armes à construire. C'est cool pour compléter, mais pris séparément, c'est pas super intéressant, quoi. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'étais quand même plus à tendance pour les figurines. Même si après des fois il y a des petites structures très rigolotes. Et par contre, vous noterez aussi quand même, vous pouvez remarquer, qu'on n'a pas eu de véhicule. Hein, voilà. Donc après, c'est vrai que les véhicules, c'est assez rare, mais quand même, on peut remarquer là encore que eh bien, Nexo Knights a mis en place, en deux magazines, a fait au moins deux petits véhicules, quoi. Une sorte de petit cheval, bah, un aérocheval pour Lance, et un petit cheval à roue pour Lloyd. Pour Lloyd, n'importe quoi, pour Robin. Donc c'est intéressant effectivement de noter qu'on n'a jamais eu de véhicule vraiment pour nos personnages en cadeau. Voilà. Donc, je pense de toute façon qu'on a fait le tour pour tout ce qui est magazine. Je vous ai fait un petit break de tout. Donc maintenant, vous savez absolument tout. Tout ce qui manquait, effectivement, c'était peut-être quelques captures d'images de la volonté de ma part afin d'illustrer un peu mes propos. Et ça, je m'en excuse. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de scanner disponible sous la main. Et vous connaissez moi et l'édition vidéo, je n'en fais pas du tout. Donc c'est vrai que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps encore pour mettre à plat cette vidéo-là. Donc bon, j'espère que ma voix aura suffi, je n'en ai pas parlé trop rapidement. Et bien évidemment aussi, et comme je le disais auparavant, eh bien, nous, enfin, je ne pense pas en être fini avec les vidéos rétrospectives Shima, ou tout du moins, je n'ai pas envie d'en avoir fini, car parce que j'ai pas mal d'idées, et j'aimerais vraiment les mettre à exécution. Mais ça prendra un peu beaucoup de temps, parce que vous doutez bien qu'une rétrospective figurine ou véhicule, ça prend plus de temps à mettre en place pour faire les choses bien, même si après, en soi, je tiens quand même à dire que. Pour cette rétrospective-là, voilà, j'ai dû lire toutes les bandes dessinées un peu en moins d'une semaine, etc. Donc ça m'a aussi pris du temps. Mais voilà. Donc, on verra ça. Et de toute façon, je pense que je vous en reparlerai prochainement. On en reparlera. Voilà. Mais en tout cas, ça, effectivement, peut-être que d'ici cet été, on pourra mettre en place d'autres rétrospectives pour dire au moins un bel au revoir à Shima qui a quand même tenu 3 ans et qui même si bon n'a pas aussi bien marché que Ninjago visiblement parce que Ninjago lui eh bien, est revenu alors qu'après de base il devait s'arrêter en 2013 et eh bien c'était quand même un très joli thème et on avait beaucoup de figurines et beaucoup de jolis modèles donc voilà donc je pense qu'il est quand même il est quand même temps de payer entre guillemets ces hommages au thème Shima qui nous a porté pendant 3 ans pour le meilleur et aussi des fois pour le pire. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Et puis bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à la prochaine. À plus.